En proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein ? T'en as pas marre d'emmerder les Français ? Alors, cher collègue ? C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille ? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des deux golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça ? Demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop ! Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Girl power ! À bas le sexe fort ! Femme le patriarcat ! Je les ai collés tous les deux, ensemble, quoi, l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé ! Non, elle nous a collés ! Gauche, droite, gauche, droite. Oh, bouge pas ! La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi ? Il faut que vous compreniez que vous venez de passer de bipède à quadrupède. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a un vidéo surveiller les vaches ensemble ? Les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-viandes. C'est vraiment devenu intenable ! Intenable ! En fait, la honte, c'est pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance légèrement ouvert, comme ça. Appuie sur la droite légèrement aussi. Et...